À partir du moment où vous avez pratiquement 15% de personnes qui doivent être hospitalisées, et que là-dessus, il y en a encore 6-7% qui vont être accueillis en réa, si vous avez 6-7% de la population française qui se retrouve en réanimation, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc les autres, on ne les réanime pas, on les laisse mourir. Bonjour à tous, nous sommes ici devant le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne pour rencontrer le professeur Pozzetto. Il est virologue et spécialiste en microbiologie. L'étudiant libre est allé à la rencontre du professeur Pozzetto pour nous parler de son test pour dépister le coronavirus. L'intérêt des tests sérologiques, c'est de savoir si les gens ont été exposés à l'agent infectieux. Beaucoup de personnes pendant cette période de confinement ont pu présenter des symptômes plus ou moins typiques. Peu ont eu la chance de bénéficier d'un test parce qu'à cette époque, on avait des tests au compte-gouttes et on réservait les tests aux gens qui étaient vraiment malades, hospitalisés. Donc, toutes ces personnes qui ont été malades ou espèrent avoir attrapé le virus sans avoir été trop malades, voudraient savoir quel est leur état d'immunité vis-à-vis de ce virus. Et pour cela, il y a une façon simple qui est de regarder si les gens ont développé des anticorps. Donc il y a une enquête nationale qui a déjà été faite, vous avez peut-être entendu parler des résultats, où on estime que, de façon générale, la population française, il y a moins de 10%, plutôt à 6-7% de la population française qui aurait rencontré le virus. Avec des différences évidemment notables entre des régions. Donc l'intérêt de ces tests, eh bien, c'est qu'ils sont tout simples à faire. Vous voyez, c'est un petite plaquette. Donc avec une petite languette, on peut piquer le bout du doigt, faire sortir une petite goutte de sang que l'on va récupérer avec un petit tube en verre pour le déposer ici. Et ensuite, avec une goutte de liquide, on va pousser le sang le long de la plaquette. Alors ça devient très rouge et puis ensuite ça s'atténue. Et donc si c'est négatif, eh bien il y a juste la bande de contrôle qui apparaît et les deux autres bandes sont négatives. Voilà. Donc ça c'est un malade, un sujet qui n'a pas rencontré le coronavirus. Donc ce petit test qui peut être fait à l'hôpital mais qui peut aussi être fait dans un comité d'entreprise, ou le service de médecine du travail, permet de trier les gens entre ceux qui sont immunisés et ceux qui ne le sont pas. Évidemment, ceux qui ont été malades, qui ont fait des graves formes, ils ont tous des anticorps en grande quantité. Et voilà l'intérêt de ce test. Alors, par rapport au déconfinement, effectivement, ceux qui auront été immunisés, ils vont se sentir un petit peu plus protégés, puisqu'a priori, même s'il y a encore des doutes là-dessus, on ne s'infecte pas plusieurs fois, en tout cas de façon rapide. Bon, il y a quelques cas qui sont un peu douteux. Enfin, dans l'ensemble, on ne s'infecte pas plusieurs fois. Donc ceux qui seront infectés, c'est-à-dire qu'ils sont débarrassés. Voilà. Alors, évidemment, l'idéal, ça serait qu'il y ait 50, 60, 80% de la population qui a rencontré ce virus. À ce moment-là, on serait débarrassé de lui définitivement. Tout dépend un peu de notre civisme par rapport à ces mesures barrières que l'on va appliquer. Okay. L'idée, c'est que malheureusement, tant qu'on n'aura pas un vaccin puissant, on va être obligé de vivre dans la crainte de retour de cette épidémie. Et donc de devoir mettre des barrières entre les individus pour éviter que le virus circule trop activement. D'accord. Donc... Il était indispensable, sinon on aurait compté les morts dans le monde par dizaines de millions. C'est vraiment la seule solution pour freiner. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que même si la plupart des infections sont non pathogènes, à partir du moment où vous avez pratiquement 15% de personnes qui doivent être hospitalisées
et que là-dessus, il y en a encore 6-7% qui vont être accueillis en réa. Si vous avez 6-7% de la population française qui se retrouve en réanimation, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc les autres, on ne les réanime pas, on les laisse mourir. L'hécatombe aurait été absolument horrible. Il y a une étude, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une étude qui a montré, qui a été faite par l'Institut de France, je crois, je ne sais plus quel institut, qui a montré le bénéfice qu'on a pu tirer de ce confinement. D'accord. Et si on l'avait commencé un tout petit peu plus tôt, et si on avait évité peut-être les élections, si on avait peut-être évité les matchs Lyon-Turin, si on avait évité un certain nombre de choses, je pense qu'on aurait encore gagné probablement quelques morts en plus. Enfin, on aurait sauvé quelques vies supplémentaires. Quelques dizaines, quelques centaines de vies. C'est un peu comme un incendie. Vous voyez, vous avez trois brindilles qui brûlent, vous mettez un seau d'eau, c'est éteint. Vous avez la pinède entière qui brûle, ben vous avez des jours et des jours à lutter contre l'incendie. Ben, la forêt amazonienne, vous avez vu, le Covid, c'est pareil. Si on arrive à étouffer l'incendie alors que vous avez 2-3 cas, je vous parlais tout à l'heure de ce laborantin qui a été malade avec sa compagne et puis qui a eu ses collègues, il a contaminé deux collègues. Bon, après, on a vite vu que c'était le début. Donc on les a tous confinés, on les a renvoyés hors du pavillon, tout le monde s'est mis à mettre des masques. Un matin, je suis arrivé, parce que pendant des semaines, on a travaillé sans masque. Ils nous ont dit, voilà, maintenant tout le monde met des masques. Oui, voilà, il y a un gradient de d'âge qui est absolument évident. Donc les enfants sont très peu sensibles au virus, l'impression qu'ils peuvent être porteurs, mais de façon très fugace et qu'ils ne font pas de forme grave, quelques exceptions près. Et à partir de 20 ans, on commence à avoir un peu plus de formes graves. Il y a quand même des jeunes qui se sont retrouvés en réanimation, hein. C'est pas non plus zéro, mais c'est infinitésimal. Et puis on peut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, le risque s'élève, déjà entre la tranche 40-60 ans est plus touchée, et puis au-delà de 60 ans, là, on commence à avoir les formes graves qui sont au-dessus de 80 ans, on estime la mortalité à peu près de 20%. D'accord.